Amazing Spider-Man. Les Tokyoïtes ont pu découvrir un Spider-Man un peu manga pour illustrer la première mondiale du film The Amazing Spider-Man. C'est le retour du super-héros dans une histoire qui n'a pas de lien avec la trilogie personnifiée par Tobey Maguire. Abandonné par ses parents lorsqu'il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd'hui au lycée, mais il a du mal à s'intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaye de comprendre qui il est et d'accepter son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les sentiments, l'engagement et les secrets. Et c'est Andrew Garfield qui a eu l'honneur de filer le parfait amour avec Emma Stone. Je me sens comme tout gamin amené à jouer ce rôle. Il appartient à tout le monde, comme il m'appartient. Et je suis très touché de pouvoir porter ce flambeau. Le film a été réalisé par Mark Webb. C'est irréel, cela rappelle le côté transcendantal d'un personnage comme Spider-Man. Le monde l'aime et c'est un de ces personnages fédérateurs qui nous rappelle que nous sommes proches les uns des autres. Sortie générale de ce Spider-Man, peut-être début d'une série, fin juin, début juillet. We all have secrets. The ones we keep. And the ones that are kept from us.